welcome them to hearing number 16 of the Commission's 189th regular session. The focus of this hearing is impunity for sexual violence against women and girls in Haiti. We have representatives of civil society, and we also have representatives of the state. And how we are going to be doing it by way of methodology is that the civil society, you will have 20 minutes, and you will see that there's a clock on the wall, on the screen, and so you can monitor yourself. I would prefer that you monitor yourself rather than I interrupt you. The state also has 20 minutes. Do we have the international expert? Can we confirm? We're back to normal. Okay. So we then will have the commission will make its reflections for another 20 minutes maximum. And then we have further comments from civil society and from the state, and then we close. Before we begin, I just want to acknowledge that this is the 65th commemoration. We are commemorating this year 65 years of the functioning of the commission. And in that celebration, we recognize that we've had an enviable record of contribution to the promotion and protection of human rights in this region. So many, over thousands of individuals and groups have approached the commission for protection using precautionary measures, mechanisms, as well as filing petitions and cases. We've referred over 377 cases to the Inter-American Court on Human Rights, and we've had over 220 friendly settlements. And that's just the beginning of the record of the work of the commission. We've undertaken so many, over 100 in local visits and written reports, merit reports, as well as thematic reports, as well as country reports. So we just want to share that with you and know that you also celebrate with us the 65th year of our existence. I also want to say, from the point of view of accessibility, and particularly for those who are online, those who are here in the room, to ensure that the hearing is inclusive, we really ask you, before you speak, to state your name, state your position, and also state the organization that you represent. And every time you take the floor, please repeat your name so that those who are visually impaired can know who is speaking. Likewise, we remind those who are online that Zoom subtitles are available, and you can also increase the font or the size of the subtitles. And others who don't want to follow on Zoom, you can also follow us on our YouTube channel as well as on our Facebook live stream. So with that, I want to turn over to the representatives of civil society to start your presentation. You have 20 minutes, and do remember, please let us know who's speaking. Bonjour, Madame la Présidente. Merci de m'avoir passé la parole. Je salue aussi les autres membres de la commission et je salue les représentants de l'État haïtien et aussi les représentants du ministère de la Condition féminine que je vois qui nous suivent en ligne. Et c'est moi, tout d'abord, je profite de remercier la commission pour avoir répondu positivement à notre requête et nous inviter à cette session d'audience. Permettez que, pendant une minute, je vous présente les membres de la délégation qui auront à s'exprimer devant vous. Et nous sommes avec M. Fritznel Pierre, qui est le directeur exécutif de l'organisation Combit pour la paix et le développement. Et à ma droite, il y a aussi Mme Chednel Joseph. Elle est avocate et elle est responsable de la commission violence basée sur les genres au sein du CPD. Et à ma gauche, on a Madame la sociologue Kenise Fanor, qui travaille avec CPD comme consultante sur toutes les questions des genres. Et moi, je suis Anthony Mémé, je suis avocat et je suis responsable des programmes au sein du Combit pour la paix et pour le développement. En quelques mots, je voudrais vous dire que le
Combit pour la paix et le développement est une organisation de défense des droits humains qui se donne pour mission de contribuer à la construction d'un état de droit axé sur le bien-être matériel et psychique de toute la population haïtienne. Alors nous avons quelques objectifs principaux qui sont de promouvoir la paix dans les communautés, encadrer les jeunes pour faciliter leur développement, faire la promotion et la défense des droits humains, puis combattre la pauvreté par l'entrepreneuriat, la création de richesses, un peu tout. Donc, nous avons un champ d'action qui est axé sur trois piliers fondamentaux. C'est l'observation et la protection des droits de l'homme, incluant le monitoring, le rapportage, le plaidoyer, l'assistance légale et les supports aux victimes. La promotion de la citoyenneté active et de la non-violence, qui inclut l'éducation aux droits de l'homme et la citoyenneté, la participation civique et politique, la promotion et la sensibilisation de la non-violence, la lutte contre la traite des enfants et aux violences sexuelles notamment. Et enfin, le troisième pilier, c'est la promotion pour l'émancipation des jeunes et la lutte contre la pauvreté qui inclut l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Donc, notre organisation prend le leadership depuis plus de 5 ans d'un réseau de 35 organisations locales éparpillées à travers les 10 départements du pays. Et nous leur proposons des formations professionnelles approfondies sur le monitoring, les violations des droits de l'homme, etc. Donc, nous établissons actuellement à Cité Soleil, notamment et dans les quartiers de Pont-Rouge, qui sont actuellement des quartiers difficiles. C'est pour cela que nous avons un autre bureau qui est situé dans la commune de Delma. Et je vais passer maintenant la parole à notre directeur qui va brièvement, en quelques mots, vous expliquer la situation actuelle des droits de l'homme en Haïti avant de passer à notre sujet du jour avec Mme Kenes. Monsieur le directeur. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation encore une fois. Je réponds au nom de Fritinel Pierre. Je suis directeur exécutif du Combit pour la paix et le développement. Je vais succinctement vous parler en gros de la situation des droits de l'homme en Haïti. Avant de passer à la thématique spécifique de cette audience, permettez que je vous présente le profil général de la situation des droits de l'homme en Haïti dans le contexte actuel. Faut vous dire que le peuple haïtien vit un contexte historique sans précédent depuis l'indépendance du pays en 1804. Le pays vit dans la terreur, terrorisé par les gangs armés à Port-au-Prince, la capitale, donne l'allure d'un pays ravagé par la guerre. En effet, Haïti vit un contexte d'insécurité dominé par la violence macabre des gangs armés. C'est une situation d'abus des droits de l'homme à outrance, des récurrents, notamment sous forme d'enlèvements, séquestrations contre rançons en cascade, des meurtres, assassinats, viols, bref, une violence crue, gratuite et banale qui crée une psychose de peur collective chez la population haïtienne. Ajoutez à cela les blocages des grands axes routiers et la mise en place des postes de péage par les gangs armés qui imposent à la population leur forme d'impôt. Des données publiées par diverses institutions des droits de l'homme sont sans appel. À titre d'exemple, 2327 victimes de meurtres, des blessures, d'enlèvements à travers le pays durant le dernier trimestre de 2023. Soit 24% sont des femmes et 3% sont des enfants. Malheureusement, il faut dire que la violence est centralisée. 80% de ces crimes se perpétuent dans la zone métropolitaine et le département de l'Artibonite. Rien que le mois de février et le mois de janvier 2024, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a comptabilisé 1108 cas de mort violents, dont 806 sont des personnes innocentes assassinées. C'est aussi un contexte de violations massives des droits civils et politiques, de la protection par les forces publiques, notamment la PNH, lors des protestations populaires
contre les régimes en place. Les derniers rassemblements publics contre le gouvernement en place ont fait plus d'une quinzaine de morts et des dizaines de blessés. Des militants politiques sont arrêtés et détenus arbitrairement. C'est un contexte de violation des droits économiques et sociaux du fait de l'absence et de l'inefficacité des services sociaux. Les hôpitaux sont dépourvus de personnel. La plupart se vident de leur personnel parti dans le programme humanitaire du président Biden. D'autres centres de santé dans les quartiers défavorisés sont fermés à cause de leur inaccessibilité du fait des violences et des risques de kidnapping. C'est le cas pour l'hôpital de maternité Esaïe Gentil, communément appelé l'hôpital Chancerelle, qui est fermé, la seule maternité publique qui desservait la population de Cité Soleil, la Saline Badelma. Les écoles des quartiers populaires sont fermées et ce sont plus de 150 000 enfants qui n'ont plus d'accès à l'éducation. Nous n'avons pas observé aucun programme étatique de protection sociale malgré l'inflation faisant gonfler les prix des produits de base. Les patrons ferment leurs entreprises, les entrepreneurs fuient les pays, le chômage se généralise, les activités formelles se ralentissent du fait de l'incapacité de circuler à cause des violences des gangs. Enfin, c'est un contexte d'impunité à cause du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. L'accès aux juges est impossible pour les 3 millions de justiciables desservis par les juridictions de Port-au-Prince et de Croix-des-Bouquets. Les juridictions de la zone métropolitaine n'ont même pas de locaux pour siéger. Les parquets de ces juridictions sont logés dans des locaux inappropriés. Les parquetiers sont obligés de travailler par relève. Les tribunaux de première instance n'ont pas de salle d'audience. L'accès aux juges devient périlleux. En témoigne le taux de détention préventive prolongée dépassant 88% en décembre 2023, sans compter que les cas de corruption au sein de la justice sont légion. L'ensemble des blocages en font que l'impunité devient la règle au sein de la justice haïtienne. Et je passe la parole rapidement à ma collègue Kenise. Ok. Bonjour tout le monde. Ma présentation portera principalement sur un état des lieux rapide sur la question de la violence sexuelle en Haïti et je présenterai les résultats de l'enquête que nous avons réalisée dans 5 circonscriptions et en Haïti. Par rapport au état des lieux de la violence en Haïti, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vit actuellement une situation absolument révoltante et alarmante. Les gangs utilisent la question du viol comme arme, non seulement pour contrôler les femmes, mais également pour contrôler leur entourage et contrôler la communauté. Dans les communes de Carrefour, de Cité-Soleil, de Grécier, de Port-au-Prince, pour parler du département de l'Ouest, dans les communes de Gaumont, de Liancourt, de Petite-Rivière, de l'Artibonite, lorsqu'il y a des attaques de gangs dans les localités, de groupes rivaux, les femmes en général, elles sont victimes de violences, que ce soit dans la rue ou dans leur maison. Par exemple, en novembre 2023, des membres de gang G9 ont utilisé les réseaux sociaux. Non seulement ils ont violé 5 femmes, ils ont filmé leur acte, mais en plus, ils ont diffusé leur cas de viol sur les réseaux sociaux. En octobre 2023, 17 femmes vendeuses ambulantes ont été enlevées à Gaumont par Cocorade sans race. Non seulement elles ont été violées, mais elles ont été obligées de marcher nues pour aller dans leur lieu de captivité. Ces violences, ces viols, ont un impact indélébile sur les femmes, mais ils ont aussi un impact sur la société. Ça fait qu'il y a un climat de peur qui s'établit au niveau de la société, il y a une impression négative. Pour qu'il y ait un certain équilibre qui soit établi, les victimes ont besoin que la justice soit faite, et la communauté également en a besoin. Et ça permet d'établir la justice et de permettre qu'il y ait une forme de moralité au niveau de la société. C'est en ce sens, c'est dans ce cadre qu'on a décidé de faire une enquête pour évaluer en quoi consistent les réponses réelles du système judiciaire haïtien envers les actes de violence. Nous avons sélectionné 5 juridictions. Nous avons sélectionné Jérémy, Saint-Marc, Cap-Haïtien, Croix-des-Bouquets, Inche. Nous les avons sélectionnés parce que les rapports antérieurs ont démontré qu'il y a un flux au niveau de ces juridictions.
Sans vouloir extrapoler, nous pensons que ces juridictions donnent un réel reflet de la réalité haïtienne dans sa globalité. À travers cette démarche, nous comptons analyser les facteurs qui impactent le fonctionnement régulier de la justice pour servir d'éléments catalyseurs pour demander des comptes à l'État haïtien. La méthodologie qu'on a utilisée dans le cadre de cette recherche, c'est une méthodologie mixte, c'est-à-dire quantitative et qualitative. Au niveau quantitatif, nous avons été au niveau des commissariats, nous avons été au niveau de la police, nous avons été au niveau des tribunaux, nous avons été au niveau des prisons pour collecter des données du début à l'aboutissement du processus. Nous avons été également rencontrés des dizaines de victimes par juridiction dans le but d'évaluer leur motivation à la poursuite judiciaire et leurs besoins spécifiques en matière de protection. Ces données institutionnelles et les entretiens ont permis de constituer le profil des victimes et de dégager certains facteurs motivant ou non la poursuite de la justice. Les informations qui ont été recueillies ont été discutées avec des acteurs de la société civile à travers des séances d'échange. Les catégories de violences qu'on a observées. Il y a des viols, il y a des tentatives de viol accompagnées de violences physiques, de harcèlement, de chantage. Il y a des cas d'abus, il y a des cas d'exploitation, il y a des cas d'inceste sur des catégories de filles mineures en domesticité, ce qu'on appelle les restes avec. Il y a des cas également qui ont été rapportés sur des écolières. Le profil des victimes. L'enquête a démontré que les victimes sont de toutes catégories, mais la proportion n'est pas la même. Les filles qui ont entre 15 à 25 ans sont les plus violentées. Elles représentent 36% de la population de l'échantillon. Les catégories de femmes célibataires, incluant les filles mineures, sont touchées par les violences également. Elles représentent 74% sur 26. Le profil représenté, ce qui est le profil type, c'est un profil qui est à l'intersection de plusieurs formes de domination. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à faible revenu, des personnes avec un niveau scolaire, qui ont en même temps un niveau scolaire très bas et qui habitent un quartier précaire. Elles représentent 86% de l'échantillon qu'on a rencontré. Les résultats qu'on a eus dans le cadre de ce travail, pour la période de 2022-2023, ce qu'on a constaté, on a recueilli 1535 plaintes pour agression sexuelle. Ces 1535 plaintes, 490 d'entre eux, c'est-à-dire 31,90%, sont acheminés au niveau du parquet. C'est-à-dire 68,1% ne sont pas traités par la justice. Parmi les 490 qui ont été acheminés au parquet, il y a un nombre de 101 qui sont classés sans suite, tandis que l'action publique est déclenchée sur 80% d'entre eux, c'est-à-dire 389 cas. Le pourcentage qui sont traités au niveau du cabinet d'instruction représente 14,53% contre 85,47%. C'est-à-dire 85,47% qui sont en attente d'ordonnance ou qui sont libérés de manière informelle. Ce qui porte à conclure qu'il y a une grande opacité dans les dossiers du cabinet d'instruction. Il y aurait beaucoup de personnes qui seraient libérées en dehors même de la loi. L'accès à la justice pour les survivantes est bloqué par différents facteurs, différents éléments. On a souligné, à travers les entretiens qu'on a eus, on a souligné certains d'entre eux. Il y a déjà la qualité de l'accès à la justice. C'est-à-dire, au niveau de l'accueil, il y a une forme de non-professionnalisme et d'équivoque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont utilisés pour les victimes. On leur pose des questions, par exemple, comment vous étiez habillé, pourquoi vous étiez à tel endroit, à telle heure, etc. C'est des éléments qui tendent à victimiser davantage la survivante. Il y a la question également du certificat médical. Le certificat médical, c'est l'un des éléments fondamentaux comme élément de preuve qui est demandé et lorsqu'il y a des cas de viol. Le certificat médical doit être administré 72 heures et maximum après le cas de viol. Le problème qu'on a, c'est que
dans plusieurs zones qu'on a rencontrées, c'est-à-dire dans les localités, les gens n'ont pas les cliniques qui existent dans ces localités, ce n'est pas des cliniques qui ont la capacité de permettre aux personnes d'avoir ce certificat médical. Et il y a la question de 72 heures, il y a certaines fois les cliniques qui sont fermées pendant le week-end, c'est-à-dire durant 48 heures. Il y a les arrangements à l'amiable également qui sont faits. C'est-à-dire qu'il y a des juges qui ont une certaine habitude à faire des arrangements à l'amiable pour finir rapidement avec l'affaire. Et il y a des parents qui acceptent cet arrangement à l'amiable parce qu'ils veulent protéger la réputation de leur enfant. OK. Il y a l'absence de l'aide juridique. Il y a également... Il y a l'absence de l'aide juridique parce qu'on avait souligné rapidement que 86% des personnes, ce sont des personnes qui vivent des oppressions multiples, y compris qui n'ont pas un bon salaire, c'est-à-dire qui n'ont pas de ressources. Ce qui fait que cette personne-là n'a pas le moyen d'intenter une action en justice, de payer des avocats. Il existe certes des balles, il existe certes des barreaux qui octroient des stagiaires pour accompagner certaines personnes, mais ce n'est pas le parti civil, c'est surtout les accusés qui sont accompagnés. Il y a des efforts qui ont été faits au niveau de l'État avec le Conseil national d'assistance légale, mais le Conseil national d'assistance légale est établi que dans deux juridictions, au niveau des CAI et au niveau de Petit Gouave. Le dysfonctionnement du système judiciaire, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que Frisner en a parlé un petit peu. Je passe la parole à ma collègue qui va parler de certaines recommandations qu'on a faites. Merci. Recommandations sur la base des observations, l'organisation CPD ainsi que ses partenaires recommandent à l'État haïtien de... Encourager la réforme pénale en vue d'une loi sur les violences sexuelles intégrant aussi une définition plus opérationnelle du concept d'agression sexuelle en tenant soin d'identifier et définir clairement les différents comportements qui en font partie. Adopter une loi ou des mesures qui reconnaissent d'autres preuves des agressions sexuelles, particulièrement le viol, à défaut du certificat médical. Promouvoir un plaidoyer au ministère de la Justice et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ pour enquêter sur les cas allégations des faits de corruption des magistrats et des parquetiers. Encourager les activités de formation et de sensibilisation au profit des acteurs judiciaires sur les violences sexuelles et VBG. Plaidoyer auprès du MCFDF. Pour dégager dans leur budget un fonds d'aide pour l'assistance légale aux victimes de violences sexuelles. Renforcer les compétences des agents affectés à l'accueil des victimes dans les cellules VBG, dans les commissariats. Par conséquent, nous en appelons à la CIDH d'adopter des résolutions qui recommanderaient aux autorités haïtiennes de tout mettre en œuvre pour finir avec l'impunité des crimes sexuels, d'adopter des mesures concrètes pour la protection et la réparation effective des victimes, que la CIDH envoie une mission en Haïti pour enquêter plus profondément sur la situation et relever les manquements de l'État haïtien par rapport à l'application de la Convention de Belém do Pará. Et enfin, la société haïtienne souhaiterait vivement que la CIDH dispose d'une antenne en Haïti qui pourrait travailler conjointement avec l'ambassadeur de l'OEA en Haïti sur les questions de violation des droits humains en rapport. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je crois que nous avons exposé brièvement sur la situation et nous sommes disponibles pour la suite. Merci. Thank you very much. And now I turn over to representatives of the state for your submissions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis Jean-Bernard Henry, conseiller à la mission permanente d'Haïti. Donc, je présente mes excuses pour l'ambassadeur Thomas qui n'a pas pu faire le déplacement, mais on représente la mission et le gouvernement. On a entendu le témoignage et la présentation de Combattre pour la paix et on compatit évidemment énormément.
On a aussi une délégation qui est connectée en ligne et c'est cette délégation qui va assurer la présentation de l'exposé du gouvernement haïtien. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole aux participants qui sont en ligne pour assurer la présentation. Merci beaucoup. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de la CIDH, chers représentants et représentants de l'Organisation publique pour la paix et le développement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de commencer, de faire une brève présentation des membres de la délégation haïtienne qui a un mandat de répondre à cette invitation relative à l'audience devant vous, membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Can you please, with our situation? Can we please ask the representative just to suspend the presentation? We're having technical problems. Just give us 1 minute to resolve them, please. Yes. Stop the clock. Ay, santo. Tienes que parar el reloj, por favor. Hay dos personas en línea que tienen el micrófono abierto en el mismo salón, entonces está haciendo feedback. Si por favor la persona que tiene la cámara encendida no está hablando. Entonces hay alguien más que está hablando y eso es la interferencia que escuchen. Así que la persona que está hablando, que tenga su cámara y micrófono encendido y las demás que están en ese salón, que puedan silenciar el micrófono. Perfect. Muchas gracias. So maybe the delegation of the state can ask in the room there if they can mute the mics that are not using. Yes. Donc, simplement pour dire que la personne qui parle doit avoir le micro allumé, mais les autres doivent mettre le micro sur mute pour qu'il n'y ait pas d'écho. Donc, c'est ça qui a créé l'écho tout à l'heure. Donc, si on peut faire ça, on peut reprendre la présentation. Merci beaucoup. So, we are going to try it now. Okay. D'accord, on peut poursuivre la présentation. Yes, please do. Permettez-moi, avant de commencer, de faire une brève présentation des membres de la délégation d'Haïti et un mandat pour répondre à cette invitation relative à l'audience devant vous, membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il s'agit de Maître Jean-Farrière Vazelet, directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Dr Patrick Alfred, directeur de l'unité d'études et de programmation au ministère de la Santé publique et de la Population, Monsieur Max Joseph, attaché 1 à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, Bercy Edouard, premier assistant directeur au même ministère. Madame Tania Jean-Pierre, directrice des affaires juridiques au ministère de la Condition féminine et des femmes. Madame Evelyne Bien-Aimée, directrice de promotion et de défense des droits des femmes au ministère de la Condition féminine. Et moi, votre serviteur, Emmanès Gonzague-Désir, directeur général ad intérim au ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, conformément à l'article 66 et suivant du règlement intérieur de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et des audiences de la Commission, le gouvernement invité à cette audience
de la CIDH entend répondre aux faits qui lui sont reprochés par l'organisation Combat pour la paix et le développement. En effet, dans son rapport, le Combat pour la paix et le développement a fait état de statistiques relatant une situation d'impunité ayant rapport avec des cas de violence faites aux femmes et aux filles liés particulièrement aux problèmes de fonctionnement du système judiciaire, acteurs judiciaires inactifs, réponses policières inadaptées. Le gouvernement profite donc de cette audience pour faire un état des lieux des violences basées sur le genre, décrire l'état actuel du système judiciaire et les obstacles à son efficacité avant de parler de l'insécurité et aborder les perspectives. Faisons un état des lieux des violences basées sur le genre en Haïti. Le phénomène des violences basées sur le genre a connu une certaine augmentation ces dernières années, ce malgré que le gouvernement, qui n'a jamais ignoré cet état de fait, a toujours fait de son mieux pour respecter les engagements pris dans ce domaine et continue à multiplier les interventions en vue d'améliorer la situation. Parlons du respect des engagements nationaux et internationaux pris dans ce domaine par le gouvernement haïtien. Le gouvernement a ratifié la majorité des conventions relatives au respect des droits des femmes et des filles. En ce sens, il y a lieu de citer la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes, Belém do Pará, du 9 juin 1994, ratifiée le 3 avril 1996. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, ratifiée le 7 février 1981. De même, l'État a adhéré à la adoptée à la 4e conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes en septembre 1995. Dans le but de mettre en application ces conventions et d'améliorer la situation des femmes, différentes actions ont été entreprises au niveau national, à savoir l'adoption du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2027 et la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2030. La signature du protocole tripartite du 17 janvier 2007 entre les ministères de la condition féminine, de la santé publique et de la justice en vue d'octroyer gratuitement le certificat médical aux victimes d'agressions sexuelles. La mise en place du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en 2014. La création de la ligne d'urgence 89-19 ou hotline en 2022 afin d'assister les femmes et les filles victimes de violences en leur indiquant les institutions de référence selon une cartographie de services de prise en charge sans aucun frais de service. L'adoption en janvier 2022 du recueil de procédures opérationnelles standards pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre dans les départements des Nippon, de la Grand'Anse et du Sud. La mise à la disposition des victimes d'une fiche de prise en charge les 72 heures après l'agression sexuelle. L'État haïtien ne sait pas uniquement limité aux actions. Diverses mesures légales ont également été prises, telles que la loi du 7 août 2018 relative à l'assistance légale, laquelle permet à la victime de bénéficier d'une assistance judiciaire et juridique dans tous les domaines du droit gratuitement. Le décret du 6 juillet
2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre les femmes, la loi du 12 avril 2012 portant sur la paternité, la maternité et la filiation, qui permet, en cas de grossesse et ou de recherche de paternité et filiation, d'intenter une action contre le père afin que ce dernier puisse endosser sa responsabilité. La prise en charge médicale des victimes de VBG n'a jamais été négligée. En effet, le gouvernement s'est toujours assuré d'une prise en charge complète des victimes de VBG au niveau médical. Celle-ci implique l'accueil des victimes, l'examen médical et le traitement, la prévention contre les infections sexuellement transmissibles, la prévention de la grossesse, la prophylaxie aux antirétroviraux afin d'empêcher la propagation du virus VIH dans le sang de la victime, le prélèvement d'indices médicaux légaux pouvant permettre de prouver l'agression et de délivrer un médical. À titre d'exemple, en 2023, 4013 femmes et 3614 filles ont reçu une prise en charge complète par la santé publique sur tous les territoires nationaux. L'état du système judiciaire. Le système judiciaire fait face à de nombreux défis qui entravent les efforts du gouvernement visant à protéger les victimes, réprimer les actes et punir les coupables conformément à la loi. Conscient de cette réalité, le gouvernement entend des démarches, entreprend des démarches en vue de renforcer la police nationale d'Haïti, tant en termes de qualité et d'effectifs, pour la rendre plus efficace et particulièrement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces efforts du gouvernement, appuyés par des partenaires internationaux, concernent entre autres l'augmentation des effectifs de la PNH et une plus grande sensibilisation au respect des droits de l'homme. De plus, plusieurs matériels roulants et équipements ont été remis à la police dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles et logistiques de l'institution policière. Dans cette même dynamique, le gouvernement a sollicité le soutien de la communauté internationale en vue de l'envoi d'une force multinationale d'appui à la PNH. C'est ainsi que, le 2 octobre 2023, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en vue de combattre le phénomène de l'insécurité. Ce sera, par voie de conséquence, une occasion pour lutter efficacement contre les violences sexuelles en Haïti. Le gouvernement multiplie encore les discussions pour l'arrivée imminente de cette mission. Les obstacles au fonctionnement régulier du système judiciaire, ils sont multiples, parmi lesquels on peut citer les grèves à répétition des auxiliaires de justice, à savoir les greffiers, les commissaires du gouvernement et les magistrats assis. Depuis l'année 2017 jusqu'à l'année 2024, la justice haïtienne enregistre des mouvements de grève entamés tantôt par les magistrats assis, tantôt par les commissaires du gouvernement et enfin par les greffiers des tribunaux, des différents tribunaux et cours de la République. Et peu importe l'origine de l'initiative, dans tous les cas, c'est l'ensemble des juridictions de jugement qui se trouvent paralysées. La majorité de ces mouvements sont dus à des demandes d'augmentation de salaire que le gouvernement successif n'arrive pas ou tarde à gérer en raison des contraintes budgétaires. Toutefois, des efforts sont en cours en vue de remédier à cette situation. Pour ce qui concerne l'impunité des violences basées sur le genre, les victimes, particulièrement les femmes et les enfants,
subissent les conséquences des différents obstacles affectant l'appareil judiciaire. Il est souvent reproché aux acteurs judiciaires de ne pas pouvoir traiter à temps les dossiers des plaintes relatives aux agressions sexuelles et aux violences liées au genre. Selon la direction centrale de la police judiciaire, les statistiques pour les deux dernières années se présentent comme suit. En 2022, 16 cas de crimes sexuels reçus, dont un cas au cours d'un enlèvement et 4 cas de viol collectif. Parmi ces cas, 4 ont été traités au parquet. En 2023, 13 cas de crimes sexuels reçus, dont 2 cas de viol collectif, 5 cas traités au parquet. Pour cette année en cours, 2024, jusque-là, 2 cas de crimes sexuels sont reçus. Le gouvernement reconnaît que les réponses données à ces cas méritent d'être renforcées. Ce problème est dû en grande partie aux raisons surmentionnées. En effet, dans la majorité des cas, les victimes n'ont pas porté plainte, soit parce qu'elles ont peur, soit parce que le suspect n'a pas été identifié, soit parce que les hôpitaux ont tardé à délivrer le certificat médical, qui est un élément obligatoire pour le dépôt de la plainte, ou encore parce qu'il y a eu, entre la victime et le suspect, une entente amiable à l'insu des autorités judiciaires dans le cas où ce dernier a été identifié. À tout ceci sont venus s'ajouter les problèmes de logistique et de sécurité qui empêchent le fonctionnement régulier des tribunaux. Conscient de la gravité du problème, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a organisé des rencontres de formation portant sur les violences faites aux femmes et aux filles au profit des magistrats assis et debout. Dans ce cadre, des séances de formation ont été tenues dans plusieurs juridictions du département du Nord, du Nord-Ouest, du Centre, ainsi que dans le Sud, en vue de renforcer les compétences des magistrats et magistrates en matière d'investigation sur les violences sexuelles. Ces séances ont eu pour objectif de sensibiliser les magistrats aux cas de violence et leur fournir les outils nécessaires pour les traiter efficacement. Leur capacité sera ainsi renforcée et ils pourront traiter ces cas avec plus de célérité. Actuellement, les parquetiers et les magistrats assis ne sont plus en grève. Il ne reste que le problème des greffiers qui est en train d'être solutionné. Il est nécessaire de préciser que la réforme du système judiciaire demeure une priorité pour l'État haïtien. Cette réforme est articulée autour de plusieurs axes, notamment la réforme du droit pénal haïtien qui connaît l'existence de nouvelles infractions dans ce domaine, par exemple le harcèlement sexuel et l'attouchement font partie des nouvelles infractions et sont plus sévèrement punies. Deuxièmement, l'amélioration de l'accès à la justice à travers l'installation des bureaux d'assistance légale dans toutes les juridictions. La lutte contre la détention préventive prolongée. Cette dernière est particulièrement envisagée seulement dans le cas des délits mineurs. Parallèlement, le processus de certification des magistrats permet d'avoir dans le système judiciaire des magistrats crédibles et impartiaux qui inspirent confiance aux victimes de VBG dans leur quête de justice. Somme toute, le gouvernement s'engage à rendre l'appareil judiciaire plus dynamique en vue d'un traitement célèbre des dossiers de plainte. À cet effet, il s'engage à créer une cellule ou un pôle judiciaire avec instruction de rendre des ordonnances dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Créer un bureau au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la réception des dossiers de viol.
créer une cellule pénale au parquet avec majorité de femmes commissaires du gouvernement, renforcer les cellules de VBG dans les commissariats, placer les instructions aux institutions judiciaires afin d'accepter le certificat médical délivré à la victime par un médecin certifié, interdire la demande des frais de dossier et de déplacement aux victimes, organiser le vetting afin de détecter les agents concernés. En perspective, la lutte contre les violences basées sur le genre en Haïti requiert une synergie au niveau de tous les secteurs concernés par la question en vue de prendre des dispositions concertées face à cette problématique. Ces dispositions doivent apporter des réponses ponctuelles mais satisfaisantes aux victimes pendant qu'elles attaquent le phénomène en ses racines. Dans cette perspective, le gouvernement entend mobiliser les acteurs étatiques concernés comme le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Santé publique et de la Population, ainsi que ceux de la société civile, dans le but de réaliser certaines activités communes visant à sensibiliser la population et les acteurs communautaires sur la problématique des VVG en Haïti. Des campagnes périodiques seront réalisées afin de mieux dénoncer les violences en Haïti. Un titre d'exemple, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, selon un partenariat avec ONU Femmes en Haïti, est sur le point de lancer une vaste campagne nationale sur la prévention des violences sexuelles et basée sur le genre dans le contexte de crise sécuritaire, socio-économique, politique et humanitaire que nous vivons actuellement. Entre autres, des formations spécialisées seront organisées et des campagnes de vulgarisation du plan national. Du plan national 2000 relatif à la violence faite aux femmes 2017-2027 seront réalisés. De plus, la redynamisation du bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles permettra de développer un partenariat efficace, actif, avec d'autres institutions évoluant dans le domaine, telles que l'Université d'État d'Haïti, l'unité de recherche et d'action médico-légale URAMEL. Parallèlement, le renforcement des capacités de la PNH à travers l'unité de lutte contre les crimes sexuels et la brigade de protection des mineurs et l'intensification des actions du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes sont autant de mesures qui participeront dans la lutte visant à éradiquer ce phénomène en Haïti. Monsieur Désir, désolé, on nous dit qu'il faut terminer, puisque le temps a été écoulé depuis un certain temps. Donc. De la commission, je vous remercie. Merci beaucoup. Toutefois, si vous avez des questions supplémentaires, nous sommes à votre disposition. Merci. Thank you very much. I am also pleased to say that we have the representative from the Office of the High Commission for Human Rights with us, Mr. Arnaud Royer. Mr. Ray, you have 7 minutes to make your presentation, and thank you for being here with us. Honorable président, honorable président de la Commission, mesdames et messieurs les membres de la Commission, mesdames et messieurs représentants de la délégation haïtienne, membres de la société civile, chère assistance. Sans être sous serment, je suis ici pour fournir à la Commission interaméricaine des informations orales et informelles sur la situation des droits de la personne et plus précisément sur les violences sexuelles. Pardon, excuse me. Yes. That we have a problem with interpretation. Can you please start again and can we start the clock again? The interpretation is ready? Yes. ¿Están listos? Okay. Okay. Honorable présidente de la Commission, mesdames et messieurs les membres de la Commission, mesdames et messieurs les membres de la délégation haïtienne, membres de la société civile, chère assistance. Sans être sous serment, je suis ici pour fournir à la Commission interaméricaine des informations
orale et informelle sur la situation des droits de la personne et plus précisément sur les violences sexuelles en Haïti. Rien dans mes commentaires ne doit être compris comme une renonciation expresse ou implicite aux privilèges et immunités des Nations Unies en vertu de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Mesdames et messieurs, la situation des droits de la personne en Haïti est catastrophique, en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et la région de l'Artibonite. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Türk, a alerté récemment sur le fait que le mois de janvier 2024 avait été le mois le plus violent de ces deux dernières années. Plus de 1100 personnes ont été tuées, blessées et kidnappées au cours de ce mois dans le contexte de la violence armée et des gangs. Dans le cadre de cette violence, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti ont dénoncé l'utilisation des violences sexuelles par les gangs, notamment les viols collectifs, comme une arme pour faire souffrir et répandre la peur parmi la population haïtienne, principalement les femmes et les filles, avec le but ultime d'étendre leur zone d'influence. Ici, permettez-moi, chers membres de l'audience, de vous citer l'histoire de Darlène. Darlène était une jeune femme de 22 ans, vivant dans le bas Artibonite. En mars 2023, elle prend le bus pour se rendre dans une commune. Sur le chemin, son bus est attaqué par le gang Grand Griffe. Darlène est enlevée, puis séquestrée plus de 2 semaines. Au cours de sa captivité, elle est battue, torturée, brûlée et violée à de multiples reprises. Quelques semaines après sa libération, n'ayant pas pu surmonter le traumatisme de son enlèvement et des violences sexuelles qu'elle avait subies, elle s'est pendue dans sa chambre. Cette histoire, comme celle de nombreuses autres histoires de femmes et de jeunes filles, illustre le calvaire des victimes de violences sexuelles et leurs effets dévastateurs, tant d'un point de vue physique et psychologique. Les informations recueillies par nos équipes indiquent que les gangs utilisent plusieurs modes opératoires. 1. La violence sexuelle lors des attaques violentes. Lors des attaques contre les quartiers ou zones qu'ils envisagent de contrôler, les gangs commettent des actes de violence sexuelle pour punir ceux ou celles qui sont considérés comme des sympathisants du groupe rival ou qui vivent simplement dans la zone contrôlée par ce dernier. 2. La violence lors des traversées de lignes de front. Des femmes et des filles sont régulièrement attaquées et agressées sexuellement alors qu'elles se déplacent entre quartiers contrôlés par des gangs rivaux pour mener leurs activités de subsistance. 3. La violence sexuelle lors des enlèvements. Les gangs utilisent très fréquemment la violence sexuelle lors des enlèvements, notamment pour forcer les familles à payer plus rapidement les rançons. En 2023, au moins 990 femmes ont été enlevées par les gangs. 4. La violence sexuelle comme moyen d'exploitation sexuelle. Les gangs utilisent la violence sexuelle comme un moyen d'affirmer leur contrôle sur les personnes vivant dans leur propre zone. Dans ces zones, les jeunes femmes sont souvent considérées comme des objets sexuels et sont exploitées du fait de leur vulnérabilité. Malgré la connaissance de ces modes opératoires, aucun acteur national ou international n'est capable de déterminer l'ampleur de ces violences sexuelles. Au mieux, sommes-nous en mesure d'obtenir des informations sur les personnes victimes de violences sexuelles ayant eu accès à des soins de santé? À ce titre, les acteurs humanitaires ont annoncé en 2023 que plus de 3000 personnes avaient été victimes de viols à travers le pays. Ce chiffre inclut la violence des gangs, mais également la violence des partenaires ou de l'entourage. Mesdames et messieurs, face à ce fléau qui gangrène et risque de saper les repères et les normes de la société haïtienne pour les années à venir, la responsabilité d'intervenir est plurielle et partagée. Cette responsabilité repose en priorité sur les autorités nationales au regard de leurs obligations légales, tant sur le plan national qu'international. Elle incombe aussi aux acteurs internationaux dans leur appui aux autorités nationales et aux organisations de la société civile. Mesdames et messieurs, je souhaite ici m'arrêter sur 2 types de réponses qui illustrent les défis rencontrés par les acteurs haïtiens dans la lutte contre les violences sexuelles. Il serait fou de croire que rien n'est fait en Haïti. Toutefois, les dynamiques sociétales et la violence armée inhibent les tentatives des individus au sein d'institutions de plus en plus affaiblies. Dans un premier temps, l'accès aux soins de santé et aux soins psychosociaux. Le système de santé haïtien est mal préparé et mal équipé pour répondre aux besoins sanitaires de sa population. Le manque d'investissement public dans le secteur médical a placé Haïti au bas de l'échelle des indicateurs de santé du classement mondial. Les autorités haïtiennes ont toutefois l'obligation fondamentale d'allouer des ressources adéquates et d'adopter des mesures efficaces pour garantir aux victimes de violences sexuelles l'accès à un traitement médical complet. Pour pallier la faiblesse des services étatiques, un grand nombre d'acteurs de la société civile et des communautés tentent de fournir une réponse immédiate aux besoins les plus pressants des victimes, malgré les risques sécuritaires. À cela s'ajoute le départ massif de leurs employés et de leurs médecins vers l'étranger. Deuxième réponse, l'accès à la justice et aux forces de l'ordre. Des unités
dédiées pour lutter contre les violences sexuelles sont établies au sein de la police haïtienne, notamment la police judiciaire ou dans certains commissariats. Toutefois, ces unités ont besoin de renforcer leur coordination et leur coopération. Qui plus est, le travail de la police est souvent entravé par la réticence de nombreuses victimes à dénoncer les viols, craignant d'éventuelles représailles de la part des auteurs ou une stigmatisation par la société, voire même par les policiers eux-mêmes. À ce titre, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, grâce à l'appui du Canada, vient de s'engager sur un programme de 2 ans pour renforcer ses unités spécialisées de la police. Au sein de la justice, un travail immense reste à faire, car l'impunité pour les crimes de violence sexuelle reste malheureusement la norme. Les services de justice manquent non seulement de ressources et de personnel, mais aussi sont touchés par un profond manque de compréhension de l'impact de la violence sexuelle sur les victimes. Ils sont également touchés par la corruption. Il n'est pas rare que des arrangements entre familles de victimes et auteurs de violences sexuelles soient le fruit de l'entremise de magistrats. À ce titre, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire s'est ressaisi du problème et des avancées ont été enregistrées. Il mène depuis plus de 8 mois des séances de sensibilisation sur les techniques d'enquête et d'instruction des crimes sexuels auprès des magistrats en dehors de Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, je ne peux conclure ma présentation sans aborder 2 problèmes qui sont à mes yeux essentiels si les acteurs nationaux et internationaux entendent traiter efficacement le fléau des violences sexuelles. Dans un premier temps, il existe un continuum entre la violence sexuelle et sexiste subie par les femmes dans leur famille, violence domestique, violence intrafamiliale, inceste et autres, et la violence sexuelle des membres des gangs. Aussi, des campagnes de sensibilisation massive par les autorités et la société civile doivent être menées au sein des populations. Dans un second et dernier temps, il convient d'endiguer la fourniture des armes et des munitions aux gangs. Pour cela, l'embargo des Nations Unies sur les armes et les munitions voté par le Conseil de sécurité doit être mis en œuvre de manière stricte par tous les États de la région. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Rui. So, commissioners, if you all will allow me to go first, because I am both the country rapporteur as well as the rapporteur on the rights of women. So, thank you very much, representatives of civil society, for your presentation, and of course, representatives of the state. I listened closely, and you all gave many important recommendations, including training for police, better resourcing for police, plan for implementing the obligations under the Belém do Pará Convention. And similarly, the state outlined a lot of its policy and legal framework, not just to address violence against women, but also to advance gender equality. And we deeply appreciate the outline of this policy and legal framework. But I'm wondering whether or not these are recommendations that are can be, even if they were to be implemented, can be effective in the context of the current context of Haiti. The Commission has been following closely the situation in Haiti, the multidimensional crisis, as the colleagues in the UN system call it. It's a political crisis, but there's a development crisis, which is a long-standing crisis. There's a whole question of the legitimacy of the current regime. There's a humanitarian crisis, given the endemic food insecurity. And then there's the human rights crisis. And we know now, we've been following very closely the rise of armed gangs and organized crime and how that has further interrupted security of Haitians. I want to say this is something that the Commission is completely committed to monitoring closely and to using all the tools that we can to bring our voices to the solutions that are both national and international to resolve or to contribute to the resolution of the current crisis. Last year, representatives of the civil society, you may be pleased to know we had exactly the same hearing, our 186th session, was it, Maria Claudia, on violence against women in Haiti. So that was this last year, and this, we have the same hearing this year. We also have our country report on Haiti, which was issued in January 2023, based on a visit that we did to the country, a wide-ranging visit, so it's a wide-ranging report. And just last week, we issued a press release on violence in Haiti. So we are very attentive to what is going on. But what we know, and the representative from the UN has spoken about it, this is the impunity that you all speak about has deep structural causes. They're causes which may be historic, they're causes which are shared by the rest of the world,
violence against women is not a Haitian problem alone. Violence against women we see everywhere because it's so much so connected to gender inequality and patriarchal domination. So there's that aspect. But overlaying the root causes of violence against women, you have all of that. Political, impunity, because of the political vacuum, the institutional vacuum, the structural problems that Haiti is facing. We talk about training of police, but I see from the United Nations Secretary General's report that was released in January that over 1,000 police left the police force last year, more than 1,000. Already it's a small police force, and you have one-tenth of the police leaving and continuing to leave. And they're leaving because of insecurity themselves. We've read about the police stations being attacked, even firebombed. We've heard about prosecutors also experiencing that kind of insecurity, courts experiencing that kind of insecurity. So this is not just a normal situation of impunity. There's a pre-existing impunity, which again is a global issue, and then there's the impunity which is overlaid by this systemic political crisis that the country is facing. So whilst we endorse fully all of the recommendations on addressing the institutional framework, having comprehensive policy framework that's both about prevention at the level of cultural norms as well and at the level of the response, we appreciate all of that. We think that some of our attention has to be working within the international community to bring that solidarity to bear on addressing the political framework, and the commission in its 2022 report made recommendations on that. And I just want to read one of the recommendations because it was so critical to the institutional vacuum as the commission identified it. So we call for the measures to stabilize the functioning of the institution. So very important, stabilizing the functioning of institutions of the various branches of the state through free and fair elections with a clear electoral calendar and clear rules, genuine and inclusive dialogue with all necessary stakeholders. And this week we spoke with civil society that also saying civil society actors have to have a voice at the political dialogue to help plot what should be ahead for the resolution of the political crisis. And then the establishment of normative measures and agreements that delimit the spaces of action for each branch of the state. So the commission itself has been following and making recommendations on the framework, the structural framework, as well as more regularly the kinds of measures that have to be put into place to address violence against women. So I've said all that to ask you, what do you think, and I understand that the request for the commission to undertake a mission to Haiti, and we can consider that, Maria Claudia. We do want to remind you that we had a mission in 2021 or 22, out of which came the country report. But certainly that doesn't mean that we don't undertake a mission because the situation has deteriorated substantially. And you also asked for the opening of an office or having a commission presence in Haiti, which I want to also advise that we have under active consideration. Mm-hmm. And Maria Claudia, you may speak about that when I about the considerations there. But we have heard those recommendations and we are considering them. So I guess my question to you is, in this framework that we are now, what can we have a bit of a dialogue on what you think the commission could be doing to assist moving forward in this current context? So thank you. I think I've overspoken. I will turn to Commissioner Bulkan or Commissioner Pochak. Commissioner Pochak. Muchas gracias, Presidenta, y quiero sumarme al agradecimiento a la organización solicitante por este esfuerzo en seguir trayendo el tema a la Comisión Interamericana, como dijo la Presidenta, que además es la relatora para Haití, relatora de Derechos de las Mujeres, es la violencia en Haití nos duele, nos alarma. Estamos cumpliendo 65 años de existencia y lo que está pasando en Haití es una muestra de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. El Estado está en falta, 220 años de independencia y esta situación catastrófica.
y esta crisis multidimensional está demostrando falencias enormes del Estado de Haití, pero también fallas y falencias de la comunidad internacional, de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y no estamos satisfechos y satisfechas con la respuesta que estamos brindando a las víctimas. Celebro el reconocimiento de la crisis, de la violencia y de la situación de impunidad. Es un primer paso, y las distintas medidas que se están adoptando y la legislación vigente. Me pregunto cuál es, entiendo que se está esperando la cooperación internacional, la llegada de esta misión especial de seguridad necesaria y que dicen que tiene enfoque en la situación de la violencia sexual. Y quisiera saber cuál es el plan que tienen para hacer frente a la impunidad y cómo se va a utilizar esta cooperación internacional para mejorar los índices de justicia. Respecto de la reparación a las víctimas y las medidas de salud, pregunto, entiendo que los recursos son insuficientes, me pregunto cuáles son las alternativas que tienen las víctimas para acudir al sistema de salud y cuáles son los sistemas de salud que realmente les prestan a las víctimas de violación sexual. ¿Es que tienen derecho, por ejemplo, a tratamientos médicos? ¿En qué consisten? ¿Tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación? Finalmente, decir que desde la Comisión Interamericana vamos a estar siguiendo muy de cerca esto, vamos a seguir visibilizando todo lo que sea necesario y vamos a instar también en cada oportunidad que tengamos a los estados de la región para cooperar activamente con la situación de Haití. Muchas gracias. Thank you, Madam President. And we don't have a lot of time left, so I simply want to endorse what President Clark said, which was precisely what I was going to come to, which is there seemed to me to be a disconnect with the initial presentation from Mr. Pierre, who spoke about an unprecedented situation of terror, and those were your words, that or the translated words, the unprecedented situation of terror in Haiti and great insecurity. And then from the other side, figures of 2 cases in 2024, 16 cases, 24 cases. So there seemed to me a huge disconnect between what I'm hearing about this problem and in the context of the current, what Roberta has said about the current crisis. So I simply want to endorse that we need a greater insight into what's happening now. In particular, I'm very interested in the accountability processes. Given what the situation is with the police, are these figures that we're hearing, they clearly are not correct, but is there a way of getting a more accurate picture of what's happening? And I'd like to know what official state avenues and processes there are to respond to this. And I'd like to highlight one thing that I heard, which is the sexual violence by gangs. And it was mentioned as well, sexual slavery. These are strong words. And children, very young children. This seems to me to be a situation of urgency. If you have young girls as young as 12, and I'm not sure if I heard that or I was just looking at it in the report, but if girls as young as 12 are being co-opted by gangs and enslaved and sexually enslaved, what are their state processes that are available right now? Let me stop there because I said I won't say a long time, but my point is what state processes are there for accountability and for protection in this current climate? Thank you. Gracias, señora presidenta. Dar un saludo pues realmente solidario a las organizaciones de la sociedad civil y a las mujeres haitianas por la situación extremadamente grave
de vulnerabilidad y de violencia en la que se encuentran, y también un saludo a los ilustres representantes del Estado. En seguimiento de lo que la presidenta planteaba, efectivamente la comisión a este momento ha emitido 9 informes de país sobre Haití, siendo último el que se publicó en el 2023. Ha utilizado todos sus mecanismos de monitoreo, comunicados de prensa, pronunciamientos en medios sociales, resoluciones específicas, y claramente, pues, como decía la comisionada Pochak, esto no alcanza. ¿Qué otras acciones debe realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar a la comunidad internacional sobre la gravísima situación de Haití? Es algo que la Comisión en cada periodo de sesiones reflexiona e inclusive ha sostenido audiencias sobre Haití periódicamente. Pero ustedes estaban planteando unas recomendaciones muy específicas. Ustedes estaban diciendo la importancia de avanzar en la reforma penal. Las organizaciones de la sociedad civil también hablaban sobre un proyecto de ley que reconozca el fenómeno de la violación y las exigencias de probatorias, como el tema del certificado médico, promover un acto judicial que asegure que la investigación no solamente se investiguen los hechos de violencia de género contra las mujeres, sino también los hechos de corrupción que impiden atender esa violencia. Y todos estos elementos la Comisión puede canalizarlos a través de esa cooperación técnica, incluyendo la formación y sensibilización de operadores de justicia. La Comisión ya con Naciones Unidas, aquí está la representación del alto comisionado, ha trabajado en un piloto de capacitación originalmente en línea, pero también se pudieran ver las formas para poder realizar este tipo de desarrollos de capacidades y asistencia en el terreno. Entonces, el punto que decía, hacía alusión la presidenta sobre un grupo de atención de asistencia técnica en el terreno es algo que la Comisión viene valorando, que viene conversando con el Estado de Haití y buscando los recursos financieros para poder dar la asistencia y también brindar la seguridad que un equipo de esta naturaleza requeriría. Entonces, solamente para cerrar, indicar que hay toda disponibilidad a concentrar esa realizar esa cooperación y esa asistencia técnica al Estado y a la sociedad civil, y que estaremos muy atentos a continuar recibiendo la información y de repente, de manera conjunta, hacer realidad esa posibilidad con el Estado de que haya una asistencia en el terreno. Eso sería de nuestra parte. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much, Deputy Executive Secretary. Now, we've lost a lot of time because of our technical difficulties, but we want to give the representatives of civil society and the state a moment to reflect and respond to each other as well as to the questions you have raised. So can we ask you to do that in 5 minutes, understanding that you all can send us information by correspondence as well. So 5 minutes, representatives of the state, civil society, okay. Please go ahead. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, juste des courtes réponses par rapport à certaines situations qui ont été soulevées ici. Donc, je reconnais que les représentants de l'État ont reconnu la situation. Et effectivement, pour répondre au conseiller Christopher, il n'y a pas vraiment des cas qui ont été constatés. L'État haïtien a donné des chiffres très récents sur des indicateurs sur les suivis qui ont été faits pour les crimes sexuels uniquement. Nous avons fait une enquête échelonnée sur à peu près 2 ans dans 5 juridictions. C'est pour cela que nos chiffres sont plus élevés. Et peut-être ils ont donné des chiffres de 2024, c'est-à-dire juste 2 mois. Et on voit déjà qu'est-ce qui a été fait. Et l'on reconnaît. Ce qui est important ici, c'est que l'État haïtien reconnaît qu'il y a une inefficacité et au niveau des réponses judiciaires qui ont été fournies. Mais moi, je voudrais particulièrement souligner un point sur la question de Madame la Présidente. Qu'est-ce que la CIDH peut faire dans le contexte actuel,
Oui, il y a votre présence, vos appuis techniques, vos résolutions, vos conseils, mais il faut reconnaître que Haïti, actuellement, je ne sais pas si c'est une bonne situation ou c'est une malheureuse situation, et Haïti, les décisions politiques en Haïti dépendent beaucoup ou subissent beaucoup les influences des ambassades, notamment des grands amis d'Haïti. Donc, je pense que la Commission a une carte à jouer à ce, puisque les responsables de l'État haïtien actuel vous écoutent. Donc, c'est un moment d'utiliser votre voix pour faire remonter le plaidoyer de la société civile, le plaidoyer aussi des fonctionnaires civils de l'État qui souhaitent que les choses changent, effectivement. Il y a un élément aussi que le représentant des Nations Unies a souligné ici, c'est la question de la lutte contre les gangs à travers l'embargo sur les armes. Je pense que pour l'instant, l'embargo est mal administré parce que l'embargo atteint la police nationale haïtienne puisque on ne vend pas les armes à l'État haïtien à cause de cet embargo. Par contre, les gangs trouvent les moyens d'avoir des armes. Or, tout le monde, nous le savons tous, que Haïti ne produit pas des armes. Les armes viennent d'ailleurs. Et on peut savoir, et on peut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Si les gangs ne sont pas alimentés, il y a possibilité pour que la police renforce ses moyens et attaque efficacement les gangs pour finir avec cette situation. Donc, je pense que il y a un élément diplomatique qui pourrait être fait là, la Commission, auprès de l'ensemble des pays de l'OEA, de plaidoyer pour qu'il y ait effectivement des stratégies, des politiques d'appui aux responsables haïtiens, notamment à la police nationale, pour couper court à la circulation irrégulière des armes qui passent le plus souvent par les ports, les douanes et par la frontière entre la République dominicaine et Haïti. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, quelque chose pourrait être fait sur le plan diplomatique de manière concrète. Vas-y. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport avec un point qui a été soulevé par Madame la Présidente, c'est concernant comment la CIDH pourrait être utile au cas où elle aurait mis une antenne à Port-au-Prince. Moi, je dirais, avec un regard plus soutenu, au regard des différentes violations massives qui se font en Haïti, je pense que cette présence pourrait mettre de la pression, non seulement sur l'État haïtien, c'est joint aussi avec l'Eurocommissariat qui est déjà sur le terrain, qui est en train de faire un plaidoyer international. En se joignant avec eux, moi je pense que ça pourrait aider considérablement à sensibiliser les acteurs internationaux, notamment avec la nouvelle mission qui vient, parce que ça fait déjà plus de 2 années qu'on attend cette mission, et la mission TAD à venir, je pense avec votre présence sur le terrain accompagnée du Haut Commissariat des Droits de l'Homme, ces deux-là pourraient jouer quand même une bonne carte pour aider la mission à venir. Et autre chose, il y a aussi des pays de la Caraïbe qui sont membres de l'OEA qui vont faire partie de la mission. Nous, on s'est demandé, au cas où il y aurait des violations de la part de cette mission, à quelle voie, à quel recours nous autres au niveau de la société civile, surtout dans le passé, il y avait ces cas avec les Nations Unies qui ont causé pas mal de problèmes avec la société haïtienne. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a pris note des commentaires des commissaires, de la commission en général et de la réaction de la société civile. Je vais passer la parole sous peu aux représentants qui sont en ligne, mais je vais simplement réagir sur les commentaires qui ont été faits par la commission sur comment la commission peut aider. Effectivement, on a depuis quelques temps des pourparlers et des discussions sur la table de concertation qu'on pourrait avoir en Haïti. Une tripartite table de concertation avec la société civile, l'État haïtien et la Commission qui pourrait permettre de non seulement monitorer, discuter et de faire ses propres relevés sur la situation des droits de l'homme en Haïti, mais aussi fournir par la même occasion une assistance technique au système judiciaire haïtien qui doit aussi se remettre sur pied
on le reconnaît volontairement. Donc, ça, c'est aussi une potentielle façon d'aider plus concrètement le gouvernement haïtien. Donc, c'est simplement pour réagir sur cet aspect spécifiquement, je vais passer la parole aux représentants en ligne qui pourront conclure pour la partie de l'État. Merci beaucoup. Le gouvernement remercie l'organisation COMBIT pour la paix et le développement pour avoir attiré l'attention de la Commission sur des faits relatifs au VBG. Le gouvernement haïtien remercie la CIDH de l'avoir invité à cette audience qui lui a permis de faire la lumière sur certaines questions soulevées par les organisations de la société civile. Il tient à souligner que, malgré les grands défis, il continuera à multiplier ses efforts pour améliorer la situation générale des droits humains en Haïti et celle des VBG en particulier. En ce sens, les différents acteurs du pouvoir public, chacun dans la limite de ses compétences, vont redoubler d'efforts afin d'aboutir à des résultats visibles le plus rapidement possible. Cependant, le respect de ces engagements sera difficile sans le rétablissement de la sécurité et l'appui des partenaires internationaux. Ceci explique la demande de la mission multinationale d'appui à la sécurité adressée par le gouvernement depuis octobre 2023, et il compte sur l'appui de la CIDH et de l'Organisation des États américains pour l'aboutissement de cette demande. Il reste ouvert et prêt à coopérer pour tout ce qui concerne la communication d'informations de toutes sortes sur l'activité gouvernementale dans le domaine des droits humains en Haïti. Le gouvernement s'attellera désormais à améliorer la situation des victimes de VBG. Pour cela, il s'engage à renforcer la coopération entre les différents secteurs intervenant dans ce domaine, tels que le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère des Affaires sociales et du Travail par le biais de l'Institut du bien-être social et de recherche. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Thank you very much. I don't know if the representative of the UN wants to take 1 or 2 minutes to say something to us. Mr. Royer, are you still with us? Okay, I guess. Oh, there you are. Do you want to make some concluding remarks, Mr. Royer? Oui, je pense que c'était très important. Les recommandations de la société civile, surtout pour le renforcement effectivement de la présence de la Commission en Haïti. Des initiatives aussi conjointes sont actuellement menées entre la Commission et le Haut Commissariat pour au moins renforcer le partenariat en ligne. Je pense qu'il est important. Les remarques aussi faites par les représentants des autorités, c'est un point important. Effectivement, il ne faut pas croire que rien n'est fait en Haïti, mais je peux vous dire que la situation est extrêmement compliquée. Au moment où je vous parle, la situation est très, 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 très difficile. Donc, la société civile, les populations, comme le gouvernement, ont vraiment besoin d'un appui plus conséquent, je pense, de la part de la communauté internationale. Merci. Thank you very much. So, just in closing, I want to assure the representatives of the state and civil society that the issue of the multidimensional crises in Haiti is an active concern for the Commission. And I very much liked not only what Commissioner Pochak said, but how she said it, because I think she's expressing the outrage that we all feel at seeing what is happening in Haiti now, specifically to sexual violence, because Commissioner
Bulkan, you asked about data. Well, data on sexual violence, generally speaking, is of poor quality, not only in Haiti, everywhere, because there's so much underreporting. But we know in Haiti that there's underreporting. It's even exacerbated by the lack of the robust police presence. But just to say, as we were talking, I did have recourse to some information that the commission recently got. So to just give you a sense of the dimensions of the sexual violence in Haiti, there was a survey done last year of 300 women in three communities in the Port-au-Prince area, and 34% of the women in that survey reported having been raped. So that's one in three women. The Doctors Without Borders has seen 400 new cases every month of women and girls reporting sexual violence. This is, crisis is not the word for it. And so we have to think about how we, as a commission, can be effective using our voice. I think what we have is the voice, and we have the tools in the toolkit. But being part of that conversation, that dialogue at the regional level, international level, I think is very important for the commission, and channeling the perspectives of civil society and the women who are being violated, I think is part of the role of the commission. So with that, I want to close the hearing. We will continue with this topic in our work. Please be assured of that.